J'aime bien l'idée que quand même ça reste un truc pas comme un battle, mais tu vois, comme un truc qui vient se croiser et que finalement les matières des uns relèvent les matières des autres, résonnent. C'est hyper féminin ce qu'elles font et nous on est dans un truc plus terre à terre et du coup voilà. Du coup, moi je trouve intéressant de montrer, tu vois, comme dans le masculin et le féminin, comme ça quoi, à côté quoi. Du coup, voilà, je trouve. Et puis bon, les filles, on est super. Là, on est bien entouré, même Claudio, Martha. Bah oui, non, mais ça va. Là, voilà. C'est super agréable de bosser comme ça. Là, c'est... Ça va s'appeler Mama, Papa, Carnaval. Toujours difficile, chanson préférée. C'est le truc qu'on emmène sur l'île. Bonne nuit. Nothing more than bonne nuit. Dream, dream. Dream, dream. Dream. C'est la seule qui connaît. Première fois que ce que vous avez vu sort du chapeau, quoi. En gros, là, c'est on a travaillé. On est à peu près à mi-chemin de la création. Il nous reste à peu près 2 mois de travail. Et donc l'idée de la base du projet, comme vous avez vu, vous verrez dans les images, mais c'était vraiment de bon la compagnie. On a créé la compagnie avec Jour, qu'on a dans tous les projets, on est très liés, voilà, on travaille ensemble, etc. Et là, l'idée, c'était aussi pour redonner, retrouver un élan, redonner de l'énergie au projet, de se séparer là, juste, on n'était jamais très loin, mais de chacun choisir un partenaire de duo, donc elle, Martha, quoi, que vous avez vu, moi, Claudio, et de faire donc 2 duos, un duo masculin, un duo féminin, de travailler séparément sur... La base c'était de travailler sur les fêtes populaires, quoi. Les carnavals, les fêtes populaires, et du coup à partir de là on a tiré les ficelles, que chacun a tiré les ficelles, qui on a pris appui là-dessus. Travailler chacun de notre côté. Moi, j'ai fait des allers-retours. J'ai aidé les filles. Elles avaient envie que je les aide à développer leur. Donc, tout ce que c'est, ce qu'elles proposent, c'est elles qui le créent. Moi, je les aide à mettre en forme, à agencer, etc. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, on a donc c'est la première fois qu'on met les matières à côté. Ça met en résonance deux mondes qui sont loin et en même temps qui sont proches. Et puis j'ai l'impression que chaque duo aide l'autre, quoi, à exister, quoi. J'aime bien l'idée que ça se croise peu, que ça soit vraiment ces deux duos et de les garder un maximum. Après, voir, évidemment, je pense que si on arrive à se croiser sur le plateau, ça va être bien. Pour l'instant, on continue à faire des résidences séparément. À continuer à trouver de la matière et à la fin on va. Comment ça, vous faites des résidences séparément, les filles d'un côté. Voilà, là par exemple on était ici au Melchior et les filles étaient au Melchior et nous on était avec Claudio à l'Agora à Boulazac. Donc ce soir c'était même pour vous la restée. Moi j'avais vu, je savais ce que faisaient les uns et les autres, mais Claudio lui il avait jamais vu ce que faisaient les filles et Martha avait pas vu ce qu'on faisait. Déjà là, nous avec Claudio on a vraiment travaillé, on voulait travailler physiquement, moi ça faisait un moment là que on a fait beaucoup de musique, on a fait des concerts ici, donc on a écrit, pris pas mal de temps, on a fait 3 albums, donc on a fait beaucoup de musique, on a fait
j'ai fait pas mal de photos aussi, j'avais envie de rebosser physiquement, de re... Et Claudio, voilà, c'est quelqu'un, je savais que d'être à son contact, ça allait me... C'est un super gars pour t'accompagner à travailler physiquement. Encore moins de jonglerie, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ah ouais, voilà. De... Ouais, ben c'est cirque, ouais. Ouais, on est parti ailleurs, là, un peu, quoi. Non, mais c'est bien, c'est, voilà, c'est super. On cherche, quoi. C'est vrai que nous, bah, les techniques de cirque, on s'est retrouvés un peu orphelins, parce que bah, nous, avec Jour, on a travaillé quasiment que ensemble, enfin, pas que ensemble, mais beaucoup ensemble. Mmh. Donc, nos matières de cirque, elles sont aussi liées. Tous les portées, tous les, la, toute la jonglerie, tout ça, c'est lié. Donc, tu nous sépares. Déjà, ça ça n'existe plus. Ouais. Martha, elle est voltigeuse, elle. Donc, elle fait de la voltige aérienne. Et elle n'a pas de porteur, là, ici, puisque Jour, elle ne va pas la porter. Et puis c'est une aventure avec l'Agora, etc. Ah ouais, ouais voilà, bah, de toute façon, à chaque fois qu'on monte un projet, c'est... Bon, ici, c'est particulier, hein. Et l'Agora. Et le Melchior, c'est des gens depuis, bah voilà, vous avez vu, on est potes, c'est depuis le début qu'on travaille, les deux ils sont hyper bienveillants, ils nous aident à travailler. Enfin, c'est des gens qui sont proches de nous. Quoi. Moi, je suis content là. Je suis super content parce que voilà, c'est un truc avant d'avoir essayé, le principe me plaît, m'excitait quoi. Et là, du coup, pour le coup, moi j'ai vraiment senti que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. On a une super base pour travailler quoi. Ouais. C'est fini. Faire un bon machin. Ouais. Voilà.